Aujourd'hui, c'est une rencontre internationale, officielle, qualificative pour les championnats du monde, sur un sport en plus un peu méconnu. On est une terre de 5-5 hein, plutôt, mais je crois que le 3-3 a un très bel avenir. Il sera olympique à Paris 2024 et là, on avait vraiment les meilleures mondiales puisque les Françaises sont championnes du monde. La Maurienne, c'est une terre de tourisme, mais pas que. Et je crois que là, on l'a prouvé aujourd'hui, c'est aussi une terre de sport. On peut accueillir le Tour de France, on peut accueillir des événements internationaux. Et aujourd'hui, on en est à avoir reçu ce tournoi de 3-3 international. Et on est très fiers, en tout cas, de l'avoir réussi. Pour profiter de ce terrain de jeu, on a l'opportunité, ben, il faut y aller. Moi, je pense que c'est le message qu'il faut qu'on donne. Il suffit de voir ce qu'on a vu aujourd'hui, cet événement. Il suffit de regarder autour de nous. Ben voilà, tout le monde est enchanté. On se rend compte que le sport est porteur et que pour développer nos territoires, il faut s'axer sur le sport. Donc, on a dans cet événement, il y a une œuvre caritative pour Adam, qui est un enfant qui est handicapé très lourdement. Et c'est vrai que, en tout cas, l'organisateur a souhaité mettre en valeur et en avant cette association pour aider cet enfant. Je suis Radia, la présidente de l'association La Dame de Cœur. Une association locale, une petite association familiale qui vient en aide à un petit garçon qui s'appelle Adam, qui est atteint d'un polyhandicap, qui ne marche pas, il ne parle pas. Donc le but de l'association, c'est de pouvoir l'aider au quotidien avec des activités, on va dire, de confort, des thérapies alternatives. Alors nous, on a toujours voulu, au sein de l'association, lier, en tout cas, créer un lien entre solidarité, entraide caritative et le sport. Et quand les organisateurs nous ont contactés pour nous proposer d'être présents physiquement à ce tournoi-là, c'était vraiment une aubaine, une opportunité pour vraiment parler de notre action. Et essayer de toucher un maximum de personnes dans cette cause. Oui, alors on a plusieurs objectifs. Bien sûr, c'est renforcer notre club local de basket. C'est aussi donner envie aux jeunes de faire du sport. Et ça, je crois que c'est un vrai enjeu de société aujourd'hui. La santé passe bien sûr par l'activité sportive. Et puis on a un deuxième enjeu, je crois que c'est derrière moi, c'est le chantier Lyon-Turin. Aujourd'hui, on est plein emploi. On recherche aussi beaucoup, beaucoup d'emplois dans beaucoup d'entreprises, des PME, des PMI, la fonction publique territoriale, et j'en profite aussi, et c'est dans ces moments-là aussi où on en parle, c'est de pouvoir recruter, montrer un territoire dynamique, accessible avec l'autoroute, avec le ferroviaire. Et puis l'enjeu de demain, c'est le transfrontalier avec l'Italie. Donc on regarde aussi pour la saison peut-être prochaine, d'avoir aussi des équipes peut-être côté italien. Je crois que c'est aussi cet enjeu transfrontalier qui est important. Et Turin sera à 50 minutes de Saint-Jean-de-Maurienne. Je crois que c'est aussi ça, l'avenir, c'est-à-dire ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on construit aujourd'hui, ce qui va se passer demain, et puis surtout après 10 ans, une fois que l'ouverture du tunnel de base sera réalisée.